Salut tout le monde, c'est AK36CW pour la 8ème partie de ce walkthrough sur Clive Barker's Jericho. Est-ce que quelqu'un sait où on est? Dis plutôt, est-ce que quelqu'un sait quand on est? Ross, si tu as besoin de prendre possession de moi, fais-le. Tu es sûr de ça, Cole? C'est un peu agressif. Vous n'êtes qu'un réseau de plus, chef. Donc voilà Cole, un personnage que j'aime plutôt bien. Son premier pouvoir, son E, permettra de ralentir le temps. Sinon, elle a un fusil d'assaut qu'il faut mettre en semi-automatique, bien sûr, ainsi que des grenades que l'on peut régler soit pour exploser à l'impact, soit après un certain temps, soit à proximité, ou tout simplement avec un détonateur, ce que je préfère, parce qu'avec les autres, on risque d'être tout près quand elles explosent et donc de mourir avec. Sinon, pour lancer la grenade plus loin, il suffira juste de garder le bouton appuyé plus longtemps. Et également, son pouvoir va surcharger, donc on voit les contours des ennemis, etc., qui se marquent de jaune. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser le pouvoir, sinon il surcharge. Et là, on doit attendre un certain temps pour pouvoir le réutiliser. Si on coupe à temps, on peut le réutiliser directement après. Mise en place de la boucle temporelle. C'est les hommes de Lich. Ouais, là, le script coupe directement le pouvoir et il s'est relancé alors que je lui demandais de se couper. Moi qui pensais que ça pouvait pas être pire. On est bon. Mise en place de la boucle temporelle. Boucle temporelle activée. Également, le pouvoir ne fonctionne que sur Cole, donc si par exemple je l'active et que je passe à un autre personnage, ben, il n'y aura plus de ralenti. Bien géré. Seigneur, qu'est-il arrivé à ces types? Mais quelle sorte de gens a pu faire une chose pareille? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon, ici on est obligé d'utiliser Cole pour ralentir le temps et passer derrière les bunkers pour y jeter des explosifs. Boucle temporelle activée. Mise en place de la boucle temporelle. Sur le sentier des armes. Vous allez pouvoir maintenant apporter votre contribution. Votre volonté faible et votre magie inférieure. Acceptez-moi comme maîtresse ou vos âmes seront dévorées par ma glorieuse armée. Le premier-né? Je ne crois pas. Comment ils peuvent être encore en vie? C'était quand? Il y a au moins 70 ans. 65. Et la section d'avant alors? Comment ils ont fermé la brèche? On ne sait pas. Ils ne sont jamais revenus. Eh ben putain, c'est vraiment la merde! Ils auraient quand même pu nous laisser un petit mot. Delgado, range ton arme. Frank, c'est quoi ton problème? J'ai pas signé pour une putain de mission suicide. Si tu pointes cette arme sur moi, tu ferais mieux de t'en servir. Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Oh merde. Frank, c'est quoi arrête ton problème, mec? Paul! Delgado, ça suffit! Abby, ligote-le. Chef, vous pouvez le ressusciter? On va le savoir. Reculez, tout le monde! Jones, je veux que tu arrêtes cet homme. Ne fais pas ça, Jones. Il ment. Qu'est-ce qu'il nous cache encore? Delgado, tu as accidentellement vidé ton chargeur.
C'était pas un accident. Compris, Delgado. Ok. Un accident. On n'en a pas fini. Vous auriez bien mieux fait de les laisser s'entretuer. Ça m'aurait évité de le faire moi-même. Là-haut! Vous n'êtes pas à la hauteur. Donnez-moi vos âmes, ou vous serez torturés pour l'éternité. Je crois qu'elle veut qu'on se rende. Au moins, elle a gardé son sens de l'humour. Lichtammer, je suis le père Paul Rawlings de l'armée des États-Unis. La guerre est finie. La mère patrie est tombée. Laissez-nous passer, et nous vous libérerons, vous et vos hommes, de ce purgatoire. Espèce d'arrogant! Tu oses t'adresser à moi? Je vais t'arracher ta virilité et la donner à mes sorcières en chaleur! Lichtammer était une puissante sorcière de son vivant. Inutile de dire de quoi elle est capable maintenant qu'elle a été assimilée au premier-né. Un diamant, la cinématique repasse notre arme en mode automatique, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mise en place de la boucle temporelle. C'est en quelque sorte notre premier boss, il suffira de rester à distance, sinon elle va descendre sur le terrain et nous péter la gueule. Si on reste assez loin, elle va juste invoquer des boules, et il suffira de les tuer au bout d'un moment, on gagne le combat. Boucle temporelle activée. On a le pouvoir à surcharger, il va falloir que j'attende un petit peu avant de pouvoir le réutiliser. Les munitions arrivent, chef. Je ne sais pas qui sont ces types, mais je les remercie. Ross, si tu dois prendre possession de moi, fais-le. June s'est gravement blessé. Voilà Rowling qui sera le médecin. Il a deux Desert Eagles qui sont très efficaces, ouais, ils font plutôt pas mal de dégâts. On peut également les régler soit pour qu'ils soient en munitions explosives, soit en munitions à fragmentation, donc à savoir un petit peu comme un fusil à pompe. June s'est gravement blessé. Selon le mode de tir qu'on va utiliser, ça va utiliser plus de munitions. Donc ici par exemple, j'ai passé en mode explosif, ça veut dire j'ai plus que 3 balles June à tirer avec mon chargeur. Voilà. Sinon, ben, je conseille simplement de les mettre en mode de tir normal et de tirer avec les deux à la fois parce que ça fait l'enfer de dégâts. Sinon, son premier pouvoir, le E, permettra de soigner les alliés à distance. Par la croix du Christ ! Voilà. Coup de bol. Moi également, j'avais oublié de parler de Delgado. Je vais directement le faire, donc tout simplement il a un minigun, hein, c'est pas compliqué à comprendre, on le laisse tourner, plus vite ça tourne, plus ça fait tirer de la brute. Et son tir secondaire, c'est une sorte de gros pistolet qui fait beaucoup de dégâts également. Et sinon son premier pouvoir, son E, fait sortir son bras, voilà, parce qu'il a fait une sorte de pacte avec le démon du feu. Et donc la sorte de serpent part et va buter des ennemis et ça fait blinder de dégâts. Donc sur les ennemis volants qu'on va rencontrer un petit peu plus tard encore, ça fait blinder des dégâts, je crois que ça les tue sur le coup. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce personnage-là que je n'apprécie pas spécialement. Sinon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, à plus tout le monde, et bon frag !